And action. Action. Voilà mon tonton, on est en ligne. Voilà. Donc du coup, je fais quoi? On s'invite là? Bah écoute, ouais, vas-y, tiens, on voit. Hop là, j'ai accepté. Vas-y, tiens, bah lance, je devrais pouvoir te rejoindre. On reste sur région Best? Ouais. Et voilà! Ben voilà, petit tonton, c'est parfait. Allez. Espérons que ça bug pas trop, ça serait le top. Ah, faut pas que ça bug, hein, petit Redbrock. Bah ouais. Bah là, de toute façon, on va arriver sur Grimex. Oh, ça va. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, que j'avais fait mon Iron Man, là. Mon espèce d'Iron Man. Voilà. Que, alors... Par contre, faut préciser que c'est comme c'est une alpha, il y a pas mal de bugs, ça risque de ramer, mais c'est tout à fait normal. C'est ça. Alors. Moi, je suis encore en chargement. Non, on va voir s'il y a du monde au Jump Town. On va essayer. C'était en game, toi? Ouais. Mais je vais pas tarder, je pense. C'est vrai que c'est un peu long, mais je pense que c'est parce qu'il y a le stream en même temps. Ouais, aussi, ouais. Ouais, parce que là, ouais, il en chie, là. Mais qu'il est long. Là, ça se trouve, j'ai grave ramé, en fait, en jeu, non? Je sais pas. Oh, merde. Je sais que même des gars qui ont quand même des grosses configs, ça a un peu de perte. Mais après, depuis la mise à jour, je sais pas. Ah, attends. Bah là, ça en chie. Ouh là là, il en chie. Oh, il en chie. Oh là, tu en lui en demandes trop, la bête. Oh oui. Oh, il en chie de ouf. J'ai à peine de me lever, c'est bugué. Ouais, ça va. Hein? C'est bon, ça stabilise? Ouais, mais ça réagit bien, bien après, quoi. Ouais. Je suis à 30 mètres de toi. Ah, t'es en bas, toi. Ah ouais, je suis devant l'élévateur. Ouais, hop. Voilà, je suis devant toi, mon tonton. Ouais, un petit coup. Non, on a de la dégaine. Hein? Attends, ça va. Ah, écoute, il a la classe. On a essayé de faire au mieux un mec qui ressemble à Iron Man. T'as vu, je t'ai fait coucou. Ah ouais? Ah, t'as pas vu? Non, j'ai pas fait gaffe. Tu fais coucou, toi, t'es comme ça, toi. Tu fais coucou en jeu, toi. Je t'ai envoyé une émote. Bon. On y va? Ouais. Voir si ça rame pas trop. Ah, c'était la porte derrière, là, là, juste ici. Ah bah, t'es pas avec moi? Ah non, mais oh, soit. Ça bug parce que je te vois en face de moi, en fait. Ah oui, d'accord, moi je suis déjà à l'étage, hein. Ouais, bah j'y vais, mais ouais, en fait ça bug. Moi, ton perso, il est avec moi là. Ah ouais, d'accord. Attends, c'est pas toi ça? Non, c'est pas toi. Ouais, j'ai appelé. Il y a un mec qui a une combinaison rouge aussi. De toute façon, il faut le temps qu'il arrive, j'ai appelé l'ascenseur. Ouais, c'est les bugs, mais je crois qu'on avait rencontré ça. Merde, j'ai mis landing pad. Non, c'est quoi, Mainco? Oui, c'est ça. Ah. Non, c'est ça. Ok. Your ship has been delivered to the following landing pad. Ouais, je te vois là, c'est bon, je suis là.
Ok. Tu bouges pas là? Bah là, si, je suis sur l'écran. Ah ouais, non, mais ça bug de ouf parce que je te vois pas bouger moi. Je te vois statique en fait. Ah oui, d'accord. Par contre, il y a un autre mec à côté de moi. 05. Lui, je le vois bouger, lui, par contre. Mais toi, je te vois pas du tout bouger. Oui. On va auquel, alors? Bah, moi, j'ai fait spawn mon vaisseau, mais c'est qu'une place, hein. Donc, donc faut que je spawn le mien. Yes. Je fais quoi, le Anvilaro, c'est ça, le fighter? Bah, de toute façon, t'en as qu'un qui est dispo ici. Non, j'en ai deux. Ah bon? T'en as deux à Grimex? Bah, ça m'a dit que j'avais un autre vaisseau, si je pouvais faire venir. D'accord, c'est lequel? Je suis à 04, j'ai pas fait gaffe. Oh bah t'es à côté de moi. Attends mais c'est... Ah oui c'est là. Ah ouais, il est pile à côté du mien. Ah ouais, pile poil. Je viens 04. Ah, Dark Vidia qui dit Mister Fou, je vous a vendu Star Citizen. Ouais, non, bah moi en fait j'ai profité de la. C'est moi qui ai vendu Star Citizen à Mister Fou. C'est ça, et puis moi ils me l'ont vendu, mais là je profite en fait, ils ont fait jusqu'au 8 une version gratuite pour l'essayer. Moi j'ai acheté un PC juste pour Star Citizen à la base. Alors. Hop, flight ready. Alors. Bordel, c'est toi, il a marqué. Et ouais, tonton, c'est toi. Donc moi, j'ai tout allumé, hein. T'es en l'air, toi? Pas encore? Vas-y, je vais voler, hein. Parce que... C'est bon. Donc désolé, hein, comme je dis, si ça rame un peu, hein, c'est l'ordi, là je lui en demande en plus du stream. Alors, vendre un jeu qui ne sera jamais fini, honte à toi, il a dit. Bon, en tout cas, pour l'instant, je m'amuse bien avec, ça me suffit. Bah, c'est vrai que là, bon, moi je viens de découvrir, donc attends, si je rentre, voilà, si je mets les ailes, c'est mieux. Parce qu'en plus, ouais, j'ai acheté du dual joystick pour m'amuser, et tout. Franchement, c'est énorme. C'est ça, puis moi le peu que j'ai vu il est quand même impressionnant, enfin niveau graphisme et tout, je le trouve assez poussé. Puis c'est vrai que c'est vachement grand quoi. Alors, t'es où? Je suis en l'air. J'ai perdu le sens. Ah c'est bon. Ah ça y est, je te vois. Alors, on va essayer d'aller sur Jumptown. Alors là je fais F. Ah ouais mais t'es loin. Ah non. Non non, je suis là. 900 mètres à l'échelle de l'espace, c'est autrement dit, on se touche à 40 secondes. Alors, il est là. Je suis juste à côté de toi, mais vraiment à côté, hein. Alors, tu vas essayer de voir comment on se regardait. Bah, Fouche, les premiers temps, il essayait de se poser sur moi. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, ouais. Par contre, les jeux de lumière sont assez ouf quand même. Ouais, et puis là ils sont en train de les améliorer encore pour les prochaines mises à jour. Donc il faut qu'on aille où nous? Et sur ta carte graphique et pas sur le... Et pas sur le... Merde. Le processeur. Ouais, parce que là, attends, il y a Davidia qui m'a écrit le peu que tu as vu et le peu que ça marche aussi. Bah tu vois, franchement, il recommande un SSD pour jouer. Moi je joue sur un disque dur normal. Et franchement, je trouve qu'il tourne quand même propre. T'es en quoi? T'es en vitesse lumière là? Non, pas encore. Okay. Mais je vais y passer. Tu me dis comme ça, je partirai sur toi moi. Il se lance pas. D'ailleurs, je suis peut-être trop près de la...
pour qu'il se lance en fait, c'est surtout ça. Waouh waouh waouh, j'ai frôlé des cailloux là mon vieux. J'ai même voté en fait, c'est bien. Tu vois pas mon zélo? Ah mais je suis peut-être allé trop vite, attends je baisse ma vitesse. Ah ouais. J'appuie pas sur le bouton. T'es où? Ça y est, je viens de passer en quantum. Sur Yela. T'es sur Yela? Ah attends. Je crois que je t'avais vu. Voilà. Bon attends, sinon je vais le chercher Yela. Non c'est F2. Il faut aller sur OM6. Alors Yela, Yela, Yela. Ah oui, Yela. Ah mais c'est la grosse planète devant nous en fait. Ouais. Oh ça m'a pas réparé mon vaisseau. Toujours eu des ailes en moi. Fais voir, je vais essayer. Ouais, non, je sais pas si je peux me quantum drive sur toi là. Ah, si, je crois. Si tu peux, là c'est le moment. Attends, je vais essayer. On va passer en vitesse lumière. Putain, c'est la nuit. Alors. T'es en vitesse lumière dans les cailloux, viens voir. Ouais, c'était. Mais t'étais proche en fait. Ouais. Alors attends, c'est... ah c'est là. T'es pas sur la planète toi? Putain, il faut que je retrouve. Putain, en plus c'est en pleine nuit. Parce que... Vers l'infini et l'au-delà. C'est ça. Je vais t'attendre déjà. Mais t'es où en fait? Je te vois même plus. Je vois même plus ton pseudo. Ah si, ça y est, moi je te vois, t'es à 291 km de moi. Au pire, tu peux y aller en pleine vitesse, là. Mais je sais même pas où il faut aller. Regarde OM6 autour de Yela. Tu fais B et tu regardes tous les points et tu cherches OM6. Ah ouais, mais si je fais tous les points, on n'est pas sorti. Non, non, mais t'as juste à tourner. Ah, là, tu fais B et t'indiques. OM1, OM2, OM4. Putain, c'est. Non, ça c'est une autre planète. OM3, Port Olisar. Non, c'est pas bon. Moi c'est quoi? OM2? Mais y'a pas de OM6? Si, moi j'y suis. Bah, à moins que je suis fou. Moi je te vois bien, 291 km 100. OM5, il est là. Ouais, bon. Mais regarde pas direction de la planète, hein. Regarde bien aussi ouais. Autour. Hein. Ah attends, si ça y est. Voilà. Je fais un saut sur une 6 si je suis. Vas-y, je vais essayer de passer en vitesse lumière vers toi. De toute façon, c'est pas très loin donc ça va être très vite. Ouais, 700 mètres. C'est bon, je suis derrière toi. On va pas lui rentrer dedans, hein. Bien fait quand même. Ah, prêt à me suivre? Hein? Prêt à me suivre? Vas-y. En quantum? Non, non. Là, tu peux pas quantum parce que c'est un endroit illicite. Vas-y, je mets un peu plus de vitesse. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, j'espère que j'ai bien pris le bon point, sinon il va falloir sortir et recommencer. On va essayer, on va voir. De toute façon après, si on voit d'autres joueurs, on n'y va pas. Je sais pas pourquoi mes armes sont HS.
Enfin, je crois que c'est depuis ma dernière bataille, j'ai eu beau avoir réparé. T'es comme c'est calme. C'est vrai que ça, par contre, c'est kiffant, c'est apaisant. Je veux dire, quand tu touches à rien, t'avances, c'est tout calme. Eh. On croit que j'avance pas, mais le truc c'est que j'avance à fond en plus. On est à 1220. Enfin, moi je suis à 1229 mètres par seconde. Moi 1235. Ah, moi je vais plus vite. Je vais lui donner du caviar. Et là pour un viewer, il dit mais c'est long, c'est long. Ah bah ouais, clair. Mais c'est Star Citizen. Du coup, tu as pas de news de Fouch? Non. Dark Vidia, il a écrit bordel, elle est où l'action là? Ben après, s'il y a du monde à Jamtown, ça peut très vite venir aussi. Pas forcément une bonne chose. Ça peut très vite venir. C'est vrai que là c'est. Ah ouais, donc... ah ouais d'accord, j'ai essayé un truc, je voulais essayer de voir un peu un tournant à la tête, mais ouais, si tu lâches. Ah non, c'est... j'ai plus de vitesse? Pourquoi je perds la vitesse? Ah, apparemment il répond pas à Dark Vidia non plus. Parce qu'il dit Ah, vous aussi ne vous répond pas monsieur Fouche. Bravo monsieur Fouche. Il doit être dans ce bar là. Ouais. Ou sinon il est sur les genoux, il est en train de dormir. Par contre, je trouve ça beau quand même, éclairé en vert et tout, là, le tableau de bord et tout. Je trouve ça propre, ah. Tout ça. Mais là, du coup, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas de repère parce que on est sur la face cachée et du coup, je vois pas où je vais et je suis vraiment pas sûr d'aller dans la bonne direction. Davidia, je mets 10 balles sur la puissance de son canapé. Pareil. Ça fait plus qu'il s'est calé. Il s'est calé devant son truc. Et... on se rapproche de la planète là. Ouais, ouais. Je crois que je me suis monté. Attends, hop. Wow. En tout cas, j'ai pas de contact radar, ce qui est plutôt une bonne chose. J'ai manœuvré un peu trop vite, hein. Je faisais la shooter la gerbe là. Ah, on est dans l'atmosphère là-haut, putain, ouais. Ouais. Ah bah voilà, putain, j'ai explosé. T'as explosé? C'était trop chaud. Bah en fait, ah putain, ils m'ont mis du feu et je vois pas ce qu'il y a. Bah moi j'ai tout freiné d'un coup, j'ai eu le feu aussi, mais j'ai tout freiné. T'es pas mort? Si, si, faut pocher ça. Non, parce que je voyais ton pseudo encore, merde. Ah non, attends, attends, non. Attends, mon perso il est. Ah, ça y est, je vois mon. Ouais, je te vois. Ah ouais, ouais, putain, je suis pas mort. Je sais pas, ouais, mais tu peux pas monter avec moi normalement. Non, mais là, je peux pas bouger en fait. Je... ah ouais. Ouais, attends, tu peux pas me buter. Avec une bute. Tu veux que je te bute? Ah bah ouais, là, clairement, vas-y, balance ta sauce. Ah non, je suis pas là. Bah ouais, mais moi, ça me dit que t'es là, moi. Ouais. Bah ouais, mais non, c'est pas... Ah, oh, attends, ça y est, c'est bon. C'est le vaisseau, c'est là. Bon, c'est bon. Je suis revenu à... Ah, là, c'est foutu, mon petit monsieur. Le vaisseau va direct à la casse. Le joint de culasse, il est pété. C'est le joint de culasse qui était pété. Oh, mais attends, me dis pas qu'il faut que je t'attende ici. Si. Oh putain, il faut l'attendre ici.
Ah putain d'atmosphère, mais ouais. Voilà, on peut voir Delius qui a 508. 500. C'est 508 000? Non. C'est ça, si? Non, c'est 508 Non, kilomètres ou 508 000 ici? Je sais plus. Oh, je suis pas très loin, je pense peut-être plus 508. Bon, bah on va essayer de se poser en attendant. Poser. D'ici à ce que je revienne. Ah ouais putain mais je pensais pas qu'il mettrait l'atmosphère jusqu'aussi bas. Attends, j'ai sorti parce mes que petits normalement atterrissages. t'as quasiment pas d'atmosphère normalement sur Yela. Ah mais attends du coup attends faut que je regarde. Ah si ils m'ont conservé mon arme. Cool. Attends, il m'a dit landing complete. Je peux sortir sur la planète là? Ouais tu peux aller faire un saut. Vas-y, hop. On va essayer. Dans moins de 2 minutes, il est. Voilà, y a pas grand chose à montrer, mais on va le montrer. J'espère que le soleil aura tourné d'ici à ce que je revienne. Comme ça, par je contre, pourrais mieux voir. C'est vrai qu'on peut pas dire qu'il soit moche. Hein. Je veux dire, c'est beau quand tu vois sa fin. Moi, je sais qu'après, je suis non, fasciné aussi quand, par. Quand tu poses ton vaisseau, tu te mets sur une colline, tu observes les points de vue, c'est ouf. Ouais, c'est pareil, moi je te dis, après c'est pareil, je pense qu'il faut être aussi un peu fasciné par tout ce qui est galaxie, tout ça. Et... Oui, bah c'est clair, moi je le suis, donc ça, du coup. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a. Ce que j'aime bien aussi, c'est prendre mon vaisseau puis faire des rasmotes sur Deimar dans les canyons, là, c'est génial. Bon, tu vois qu'il n'y a rien, quoi. Attends, je reviens. Il y a toujours ton vaisseau qui flotte dans l'île, là. Pas grand chose sur cette planète. Attends, c'était quoi? Je crois qu'il y avait une flashlight. Ça sert pas à grand chose. Hein. Ah, c'est bien fait par contre les particules de poussière, je trouve. Ah, ça c'est bien géré, je trouve. Il bouge pas, qu'est-ce qu'il fait? On va essayer de se mettre ailleurs. Non, voilà. Alors, faire respawnement de ça. Mon ship là. Bon, allez, on rentre le train d'atterrissage, attention. Impeccable. Ah, 0-100. Ah, du coup, tu te mets un drive sur moi, non? Attends, pour l'instant, je sors de Grimex. Je suis pas encore allé à mon vaisseau. Je vais retourner sur OM6 et je vais voir si le soleil a tourné par rapport à. Parce que je pense que j'étais pas bon sur la direction. Parce que tu vas aller où toi? Jumptown. Ah ouais, il me dit que je suis dans l'atmosphère de toute façon. Jumptown. De toute façon, elle est pas indiquée, tu peux la chercher. C'est ah d'accord, c'est pas indiqué. D'accord, c'est pas indiqué, ok, parce que ouais, moi je cherche. Ah, ça y est, j'ai mes ailes, j'ai mes armes, j'ai tout. C'est revenu. Non, non, c'est un labo de drogue illégale. Oula, pourquoi j'ai ma vue qui se met tout en rouge là? Parce que t'as peut-être pris des jets. C'est comme en vrai, c'est quand tu prends des jets, ça te. Ah ouais? Ouais. Oh parce que ouais j'avais tout qui s'assombrissait en rouge là. Bah alors mon gars il tient pas léger quoi, hein? Il passe en vitesse lumière, on l'appuie un peu sur la pédale d'accélération, il supporte pas. Qu'est-ce que c'est cette affaire?
Alors. On va démarrer. Bordel. De la lumière. Tu peux pas mettre de... Non, tu peux pas y faire éclairer avec ton vaisseau aussi. Si, c'est sur T, je crois. Bah ouais, mais t'es... Ouais. Après, c'est vrai que je suis en l'air, donc ça se voit pas. Bon, je t'attends. Alors, ouais, je vais... Un saut sur Yela déjà. Tu ensuite fais OM6 et ensuite j'arrive. Voilà, ça y est, je suis sur Yela. Petit virage sur OM6. Ouais. Je te vois arriver. Alors, je te vois plus d'un coup. Ah ouais, d'accord, je t'ai vu te trois tâches. Elles sont là. Ouais, c'est un peu long. Hein. Je viens vers toi là ou pas? Non, non. Non, je pue, tu pues, c'est ça? C'est ça. D'accord, normalement il doit y avoir... Mais si tu le vois pas, comment tu sais qu'il est là exactement? Ben... Faut attendre que la lumière elle passe. Ouais, mais ça va être long là. Non, ça devrait plus tarder maintenant. Ça est complètement l'opposé. Tout à l'heure, quand je suis. Quand on est arrivé, il était à la moitié de la sphère. Mais... Avant, je pouvais y aller même de nuit, j'avais trouvé le truc, mais vu que ça fait longtemps que j'ai pas. Pratiquer, je dirais. Bah, s'il est pas éclairé au sol? Ah, bah non. C'est un labo de drogue, hein. Tu sais, t'as regardé Breaking Bad, hein. Mmh. Quand les mecs ils font la mettre dans la caravane, ils avaient pas mis un panneau avec des LED. Hein. Et bah, c'est pareil dans Star Citizen. Alors, attends. Pire, je peux essayer de revenir. Attends. Bon, moi, je me déplace, parce que sinon... Alors, la tâche est ici. Je reprenne la vidéo. Où... C'est ça. Bonne. C'est ça.
C'est ça. Oh non, mais quand je vais te rattraper, tu prendras ma direction. Normalement, tu dois voir que je suis en train de bouger vers toi. Ouais, bah moi je bouge vers toi donc. Attends, c'est quoi ça? Noir, ça faisait comme des bâtiments. T'avais acheté une arme toi en fait ou pas? Non. Ok, parce que peut-être qu'on va en avoir besoin. Moi j'y vais à main nue. Ah ben non, mais t'as ton flingue au pire. Ouais. C'est vrai que un truc qui jette des bouchons, ça va plaire. Et Darkvidia, il dit, elles sont où les bananes dans ce jeu? C'est les piqûres. Épicure. Il a dit c'est épicure. Donc c'est un épicurien. C'est un peu moins glam. Et encore, maintenant Darkvidia, faut que tu viennes parce que il y a plus que les bananes. T'as les asticots, t'as... Ah oui, c'est vrai. Dans ces là, il y a les noix de coco, les... T'as les mangues là, ou les grenades? Les mangues, voilà. Non, c'est les grenades, je crois. La nourriture, hein. Ouais, il faut que tu... non, parce que je suis dans la vidéo, il dit ah bah ouais, en plus des poulets, on peut jeter des grenades maintenant. Il faut que tu viennes tester l'arène aussi. Comme je frôle le sol, mais bon, tu me connais, tonton. Je suis le fameux tonton Razmod. Eh, tonton Razmod, hein. C'est vrai que c'était bon, hein, l'époque Battlefield 1 avec Melvin. Grave, faut que je lui réécrive d'ailleurs. Ah, il y a Benoît aussi qui dit bonsoir Star Commander. Et Darkvidia qui a dit qu'il a, ouais, il a pas encore testé la mage de CFCF. Quand il veut. Qu'il nous dit. Quand vous voulez. Ils vont dire bon bah les gars, bah on est chaud pour ce soir. Hein. Quand on peut. Hein. Ça va les gens? Bah bien, ah, et toi Benoît? Plus très loin de toi, tonton, t'es prêt à reprendre ma direction? Bah ouais, mais je te vois en fait, tu t'avances en saccadé. Ah putain, ouais, tu lagues vachement avec le stream. Moi, ça me dit que t'es à 82-68 là. De 82, t'es passé à 68. Ouais, bah moi je suis à 60. Hein. D'accord, ouais, bon, donc. Putain, tu verras au décalage horaire. Voilà, c'est ça. Allez, une petite vrille pour le fun, voilà, voilà, ça y est, c'est plus Star Citizen, c'est Top Gun le truc. Ouais, ou alors Zavata. C'est un peu moins de l'amour. Une petite cabriole. Ah, il a marqué qu'il est cramé, Benoît, ça fait longtemps que je dors mal, je suis passé faire coucou. Mais c'est bien sympa que tu passes, mon ami, tu es toujours bienvenu. Oui. Ah, ça y est, je te vois dessus, tu rames plus. Bah non, moi je rame pas, c'est toi qui rame. Bah oui, mais bon. Space Avatar, il a marqué Benoît. Space Avatar, ouais, franchement, c'est un pseudo de ouf. Je crois que je suis pas mal, c'est ça. Là, je te suis. Je vois pas. Oh là, attends, je revois tout rouge là. Il meurt si je reste trop en rangé? Ouais, non, il s'évanouit. Ah, bah. T'as l'écran noir. Et puis, en fait, le truc, c'est quand il s'évanouit, bah, t'as plus le contrôle du personnage. Donc après, quand tu retrouves tes esprits, bah, tu sais pas comment ton vaisseau est parti. Attends, je prends de l'altitude et mon vaisseau il va où? Je crois que c'est ça. Mais attends, mais il est fragile mon perso là, c'est quoi cette merde? Ah, oh, il s'évanouit, vieux! Non! Il s'évanouit! Eh les gars, c'est pas le moment de t'évanouir, vieux! Allez, un peu de nerf là! Je te vois même plus, hein! Bon, on a perdu Gijo! Ah putain, si, ça y est, j'ai trouvé! Ah oui, mais moi je t'ai perdu! Ah, ça y est, je te vois! Écoute, c'est clair à Jumptown! Je regarde s'il n'y a pas d'autres vaisseaux! J'y vais, mais le mec il s'évanouit pour rien là.
Quoi, c'est quoi de prendre 50 G dans la gueule? Ah si, y a un vaisseau. Ah. Ouh, ralenti, ralenti, frère, ralenti. Ah non, c'est pas un vaisseau. Jumptown éclair. Attends, attends, attends. Déjà, je vais me poser. Voilà. On se pose ici? Ouais. Je me doute parce que si on se pose à l'autre bout de la planète. Je vais éteindre la lumière. Ah, landing complete. Ah, voilà, on a atterri. Allez. Weapons offline. Allez. On sort. Hop. Attends, en fait. Oula, j'ai eu un petit bug. Je vais laisser le fly mode ready. Et je vais juste sortir. Faut que le vaisseau il soit prêt à démarrer. Ah, moi j'ai éteint pas ton moteur. Hein. Ouais, redémarre-le et tu sors. Ah, moi j'ai tout éteint. Faut que tu sois prêt à partir dès que tu remontes dans ton vaisseau. D'accord, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, t'as des pirates. Moi je suis. Attends, bah attends, je vais mettre en flight ready. Alors. J'ai sorti mon arme. Anvil Aerospace, all systems online. Rejoins-moi le plus vite que tu peux. Bah attends, il prend son temps, tu sais, il faut qu'il descende du vaisseau. Attends. Allez, je t'attends. Comment je sors mon arme déjà? 1. Ah oui, 1. Bah 1, sors ton arme. Ah si, c'est bon. Ah ouais, mais quand il court, ouais, d'accord. C'est pas comme les jeux où il court avec l'arme devant. Excusez-moi. Y a pas d'atmosphère en plus. Allez, t'es prêt? Allez, allez. Je sais pas ce que je vais faire, mais... Attends, je vais se mettre à accroupi. C'est bon, c'est clair. Alors... Mais oui, c'est clair. Bye, Alain, delivery... Ouais... Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends... C'est bien fait quand même, tu vois. Widow... Il a de la gueule, hein. Il a de la gueule, le petit, là. Ah non, je veux pas rester comme ça, je vais me mettre derrière lui. Hop. Ok, alors tu viens sur la console. Ouais. Tu... Alors, range ton arme au pire, tu maintiens R. Voilà. Tu fais select location, je crois. Tu dois avoir ton vaisseau, ouais, qui apparaît. Tu le sélectionnes. Attends, là j'ai ensuite rien. Tu fais... Ou tu fais bail en haut. Bail, il doit y avoir. Ouais, mais j'ai cliqué, ça fait rien. Voilà, c'est normal. Tu cliques sur bail. Ah, ensuite, tu vas sur select location. Voilà, mais ça fait rien. Et après, tu dois avoir un truc marqué widow. Non, j'ai rien du tout. Hein? Je clique dessus, il n'y a rien. Attends, quitte. Les viewers peuvent témoigner. Quitte. Voilà. Alors. Ah oui, donc automatiquement t'es sur buy. Normalement, en haut à gauche, tu vas voir delivery location. Et ensuite, tu vas sur widow. Vas-y. Delivery location. En haut à gauche. Ouais. Bah, voilà. J'y suis, mais... Sélectionne ton vaisseau. Mais j'ai rien, je peux rien sélectionner. T'as pas ton... Non, je peux... Ah putain, parce que à mon avis, il a pas de cargo. Ah non, mais moi, c'est mon avion de chasse, là. Enfin, ouais, mais moi aussi, mais je peux quand même mettre un peu de fret dedans. Non, moi, ça fait rien du tout. Ah bah oui, bien. Mec, t'as pas de cargo dessus. Voilà. Ah bah on est bien, quoi. Ah, attends. Bouge pas, je vais regarder sur le stream. Parce qu'en fait, je suis pas dessus. Je peux pas le voir là sur F2, mon vaisseau, s'il a un cargo ou pas là. Attends. Il a de la gueule, le vaisseau. Vas-y, retourne sur la console. Attends. Voilà. Avec le décalage, voilà, vas-y.
peux rien faire. Ok. Ah ouais, t'as rien, ouais. Vas-y, clique sur... Ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est relou. C'est relou, voilà, voilà. Bah, tu dois pas avoir de fret, hein. Regarde, il faut... l'idéal, c'est avec le cut, la slog, au moins tu charges. Au moins, on se casse. Moi, vous montrer comment faire dans Station Russe quand ça marche pas. Alors, attends, parce que je sais pas ce que tu me fais, tonton, là. Ah, c'était pas là. Non. Je vais juste repérer, y a personne. Ouvrez-moi cette porte. Ah, parce que je suis obligé de passer à chaque fois le sas de... Ouais. Donc là, on remonte au vaisseau, du coup. Ouais, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas virer sur Port Relissard. Et tu vas aller chercher ton cutlass. Il fait drôle de move, mon vaisseau, là. Il fait des lumières, là. C'est une boîte de nuit, le truc. C'est parce que j'essaye d'être discret, ça. Bah alors, tu montes. Attends, je vais être discret aussi. C'est bon, tu vois. Attends, mais voilà. Je voulais pas monter. Flare online. Take off complete. On va où, ok, bah toi tu vas à Port-Relissard, moi je vais à Grimex. Parce que je peux pas vendre de la drogue à Port-Relissard, c'est illégal. Grimex, tu peux. Et tu fais spawn ton cutlass. Ouais. Attends, je vais dans l'atmosphère, enfin je quitte l'atmosphère. Et tu reviens sur Yella. Yella. Attends, mais il m'énerve à s'endormir là, qu'est-ce qu'il me fait? Ça va, ouais. Moi aussi, il a pris cher. Merci. C'est bon, je crois que je suis dans l'espace. Et je pense que je vais même aller. Je vais même charger le constellation comme ça. Alors, il est où pour Relissard? Vu qu'il y a personne, je vais aller charger le constellation. Ça, je vais faire plein de sous. Mais arrête de t'évanouir, c'est bon, reviens à toi là un peu. Putain, il est chiant, je vois tout rouge. Allez, merci. Putain de Dieu, hein, c'est un jeu qui se passe dans l'espace. Si le mec il est pas capable de vous faire un trajet, Port-Relissard, set route. Attention, on va passer en vitesse lumière. Là, ça va pas rigoler, là. Les plateformes, où est-ce qu'ils sont? Allez, j'y vais, hein. Vas-y, vas-y. Et là, il va me dire qu'il prend... Et là, normalement, il est censé prendre tous les jets qu'il veut dans la gueule, et là, il est pas malade. Ouais, mais... T'as moins d'atmosphère dans l'espace que vers une planète, hein. Mon petit tom-tom. Hey. On y va. Arrête de bouger. Voilà, stabilise-toi. Merci. Alors, où c'est que je peux appeler pour Relissard? Je l'ai pas, c'est quoi cette affaire? Sinon, mais c'est le bug, tu sais, faut que tu... Ah oui, il faut que je coupe les moteurs et que je relance. Voilà, tu fais power off et tu relances et tu l'auras.
Sur toutes les zones d'atterrissage, c'est comme ça. Il y a la mise à jour, c'est le temps qui corrige. Attends. Ah, ça marche bien, ils sont dans le futur et. Alors, hop. Oui, mais le futur est en, pour le moment en alpha. Alors donne-moi une plateforme. Ah voilà, il m'a donné l'emplacement pour me garer. On va redresser ça quand même pour se poser propre quand même. Hein. Faut essayer d'être un citoyen de l'espace modèle. Je sors les trains d'atterrissage. Allez, on se gare. Ça y est, tu commences à comprendre et à aller pour, bah attends, mais attends, pour mais aller d'un point à un autre du ciel. C'est bien sûr, Totoro. Star Wars, moi, je l'ai dans le sang. Bon, la preuve, tu l'as désinstallé sur PS4. Voilà. On peut sortir du vaisseau. Donc là, tu voudrais que j'aille faire spawn mon cutlass. Ouais, prends quelque chose de plus gros. On va prendre un vaisseau plus gros, là. Parce que celui-là il peut charger, vu qu'il y a personne, faut en profiter. Tu fais plein de sous là. Là ça va pas être la même là. Ah, il y a Benoît qui dit allez adios les bananes, que votre aventure spatiale se déroule bien. On va faire en sorte, merci à toi d'être passé Benoît. Ça fait plaisir. Yes, merci. Tu reviens quand tu veux. Ouh, attends, je suis même pas sûr que ça vaille le coup parce qu'ils ont vachement réduit le. Bah attends, tu me dis ça quand tu vas pas au lycée. Oui, mais après c'est pas grave, tu peux changer de vaisseau. Hein. Je prends quand même le cutlass. Ouais, bah non, écoute, ils ont dévalué le truc, c'est pour ça qu'il y a personne en fait. Il a marqué des bisous et des GG. Merci à toi, Benoît, bis. Allez, bis, Benoît. Je prends le cutlass non, bah, alors ça vaut plus rien la Widow, laisse tomber. Mais oui, prends le cutlass. Par contre, il me dit claim. On l'a laissé quelque part. Ah bah oui, puisqu'on l'a abandonné à Hardcore. Oui. 15 minutes. Et ben, ouais, au pire, claim-le et puis je te rejoins à Port-au-Lissard en attendant. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille à Hearthstone faire une mission. Vas-y. Ça. Une mission FPS. Je paye pour le faire apparaître plus vite. Il est dans 2 minutes 46. Comme tu veux. Ouais, j'ai payé, ça fait rien. De toute façon, demain il y est plus. Demain je l'ai plus le jeu. Bah si, vu que tu vas l'acheter, tu l'auras encore. J'aime bien, je te voyais venir. Non, c'est vrai qu'il est propre. Moi ouais. On peut pas dire qu'il soit vilain. Très bon jeu quand même, très beau jeu. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a plus personne. Avant, tu faisais 72% de marge sur la Widow et. Là, j'ai retrouvé l'argent que j'avais avant que je fasse mes réparations. J'ai rien gagné. Par contre, le fait de faire des missions à la con comme je t'ai fait faire, tu gagnes à mort. Bah ouais, là, tu vois, c'est. C'est même dommage. Moi, quand t'avais Jump Town. Putain, moi, il y a des joueurs là pour Lissard quand même. Ah ouais, mais du coup ils vont tous sur. Il y en a un qui a presque la même tenue que moi. Il est grave armé le gars. Il arrive dans combien de temps? Mais ça c'est plus pour la frime hein, parce que tu sais les armes tu t'en sers quasiment jamais. Hein. Dans une minute 25. Alors bon. Ça me le dit de toute façon quand il est là, ça me le signale. Qui? Mon vaisseau. Non. Ah, non. Faut que je regarde la console. Okay. Ouais. Et je décolle. C'est que c'est propre. Hein. Tu me rejoins sur Paralisa? Ouais, ouais. Ok. Il y a des nouilles. Tu veux des nouilles? Pas manger. Ah, il est là dans 33 secondes.
Je vais rester sur l'écran. Comme ça, on pourra le faire spawner. Ah ben, ouais, si t'aimes bien les poneys, là. Allez, c'est parti. Plus que 8 secondes. Ça y est. Quoi ? Pourquoi il met 15 minutes ? Ah non, je peux le faire apparaître, c'est bon. L'ascension, t'inquiète. Non, mais si vous remettez 15 minutes, je vais aller me poser. Your ship has been delivered to the following landing pad. Ah, on me dit que ça va pas être. C'est 03. Alors 03, c'est par là. Et en C. Ouais, je suis en C. C03. Hop, je passe le sas. C03. Là, c'est pas le même que tout à l'heure. Là. Alors, hop. Je vais demander l'autorisation de me poser. C'est toi qui te poses à côté de moi là ? Non. Je suis à côté de toi. Je suis en l'air normalement. Non, parce que j'entends un vaisseau bouger. Ça, c'est possible, ce soit moi par contre. Ah non, il a un truc de minage. Il a le truc de mine, le truc, c'est un mec. Ah oui, bah c'est le même vaisseau que tu as, c'est le. Ah non, bah ouais, c'est un. Oui, c'est un. Tu l'as celui-là de vaisseau en plus. Ouais. Donc je t'attends pour décoller ? Ouais, je suis juste à côté de toi. Ah, mais tu gardes ton vaisseau ? Alors, regarde, je suis en train de me poser là. Attends, si moi je suis dans ma cabine, je te vois pas. Aïe. Voilà. Attends, j'ai fait un bug. Merde. Mais t'es coincé dans le décor. Je t'attends alors ? Bah ouais, je suis urgent. Je t'ouvre la porte arrière. Je suis en train de descendre devant un ship là. Tu viens en C03. Je suis au 2 là. Là, c'est pour les armes, il y a une petite couchette. C'est la tourelle. Ah, il est pas encore là. Ah, ça y est. Il est là, le tonton. Voilà, tu vas prendre la direction de Hearthstone. Hearthstone. Hello and welcome aboard your Drake Interplanetary Craft. Your systems are online. Alors, Hearthstone. Shield system charging. Shield system online. Shield system power is running low. Attends, hop, F2. Tu m'as dit Hearthstone ? Elle est où déjà, Hearthstone ? Dézoom, hein. Ah ouais, faut bien dézoomer. Ah oui, putain, ouais. Ah ouais, c'est loin. Cette route. C'est moins loin que Arca. Ah ouais, 31 millions de kilomètres. Attends, je vais te baisser les boucliers. Bouge pas, avant de lancer. Voilà, il est prêt à passer en Quantum Drive. Ok. Ah oui, je vois que tu baisses mes boucliers. Bas à droite. Menu. Je te baisse les armes. Il faudra absolument que je te mette, hein, au moment de la mission, parce que on en a besoin. C'est bon, tu peux lancer. Allez.
Zébardis. Ah, dans un Zébardis. Voilà, ça y est. C'est quoi qui clignote là? Ah, c'est bon. Non, c'est rien, c'est juste que ça met un message que Darvidia, il faudrait qu'il soit sur la tourelle pour qu'il soit 3 joueurs, mais vu qu'il critique, et ben il est pas sur le jeu. Il est quoi celui-là? Oh là, on a le temps, hein. T'es derrière moi, toi, sur le fauteuil derrière? Ouais, je suis à la place du copilote. Ouais, parce qu'au début, je dis je quitte le siège ou pas, mais ça sert à rien, y'a rien à faire dans le vaisseau. Bah, tu t'as été à la tourelle? Oui, ouais, j'avais déjà été. Ouais, t'avais testé. Bah, si tu veux. Darguidia qui dit là-bas, on joue beaucoup aux cartes. En plus, Darvidia, je sais pas, hein, si pas si t'as lu les infos, mais ils ont refait des règles sur le Uno, hein, donc tu peux y aller. Oui, ouais, j'y ai vu aussi, ouais. T'as plus le droit d'additionner les plus 2 ou je sais pas quoi, là. Grave, heureusement, putain, j'y ai joué il y a une semaine. Alors, heureusement hein, que ça a été changé que maintenant, parce que je peux dire que ma collègue d'à côté, elle en a pris des plus 2 et des plus 4 d'affilée. Donc là, oui, c'est ce qu'on disait, là, c'est un petit peu long, hein, le voyage. Après, au pire, tu peux faire visiter pour tes viewers le vaisseau. C'est comment déjà que je quitte le siège sans sortir du vaisseau? Bah, exit, sur côté droite ou gauche. Fais visiter le vaisseau. T'expliques? Oula. Ah bah ça, j'ai déjà fait en rentrant tout à l'heure. Il y avait les couchettes ici. Ah oui, ça vibre un peu. Bah oui, mais c'est vrai, quand on a invité Summer, tiens, on va se mettre à la tourelle. Explique, ouais, montre tout. Petite tourelle. La petite tourelle. Mais qu'est-ce que c'est beau. On s'y croirait. Attends, comment je quitte cette tourelle maintenant? T'appuies sur le bouton exit. Ouais, mais je cherche. Non. Ah, mais moi je suis pro pour chercher les boutons exit sur les tourelles, je les trouve jamais. Exit, il est où exit? Bon bah je suis bloqué sur la tourelle, hein. Ah si, je crois que je l'ai trouvé. Ouais, je t'entends. Il est un petit peu bourré quand il sort. Ouais, là tu m'avais dit c'est pour mettre les armes ici, je crois. Attends. Faut que je sorte. Là, ça ouvre les portes. Ouais, je vais pas ouvrir les portes parce que sinon. Ouais, je suis sorti. Ouais, c'était là. Ah, là. Ouais. C'est derrière toi où on met les armes. C'est là, c'est ça. Ouais, t'as les casiers. C'est pas fonctionnel. Ouais, ceux-là ils sont pas fonctionnels. Ouais. C'était sur le tien qu'ils étaient fonctionnels. Ouais. Là, je crois pas. Mais on peut pas les mettre encore. Ouais, là. Mais ça, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment un vaisseau qui est idéal pour le transport de troupes ou alors. Enfin. Quand tu as des interventions, etc. Tu lâches des troupes et tu redécolles direct. Même des unités d'élite. Il y en a beaucoup qui le font. Après, c'est du roleplay. Ouais, c'est ça. Parce que pour l'instant, vu que tu peux pas vraiment faire les scénars, les mecs ils te le font en roleplay et franchement. T'as des bonnes communautés sur Star Citizen, c'est plutôt cool. On est à combien? Ah, j'ai appuyé sur B, je croyais que je pouvais voir combien de temps on est. Non, bah, quand tu quittes, tu vois plus malheureusement. Faut attendre. Ah, c'est dommage. On peut plus voir, tant pis. Si on est prêt ou pas. Alors, moi, ouais. Les jeux en Early Access, ouais, j'ai déjà donné, dit Darvidia. Ah, sur quoi? Sur quoi donc, mon petit Darkvidia? Le temps qu'on voyage, on peut discuter, tu vois. Ouais, après ça fait 5 ans hein, quand même qu'il est en accès. Ça, 5 ans celui-là? Ouais, je crois.
ça, je pense que je vais craquer des pions pour ça. Et encore, il y en a qui sont pire que moi. Ah bah oui, ouais, je me doute. Après, t'as des mordus. Hein. Mais c'est pour ça, tu vois, je... ton pote Nicolas, là, s'il claque avec son pote 600 balles dans un reclaimer, alors que pour l'instant, il joue même pas, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, faudrait mieux qu'il prenne un pack starter, qu'il fasse le tour, qu'il voit si ça lui plaît. Après, non, mais apparemment, il l'a déjà. Il l'a déjà joué. Ouais, mais... Je d'accord. crois qu'il m'avait dit que c'est juste que son... son PC ne le fait plus tourner. Mmh. Il a marqué DayZ et Rust, les jeux qu'il a fait. Je connais pas. DayZ, moi ça me dit quelque chose. Oh, c'est un peu, c'est pas un peu le genre de ah putain, Seven Days to Die, ça, un truc du genre. Il me semble. C'est un truc pas. De zombie. Vas-y. Bon, on arrive sur celui d'un truc là. Ouais, mais comme tu dis, c'est apaisant. On va y arriver bientôt, je pense. C'est ça. C'est quand qu'on arrive. Parce qu'après, c'est vrai qu'ils ont voulu vachement respecter les distances par rapport au temps que tu mets, etc. Ah, mais pour ça, c'est pour ça, il y a quand même chapeau, parce qu'il faut arriver à gérer un truc comme ça où tu te dis c'est en loin, plus, loin, loin. Et en plus, dis-toi que chaque fois que tu fais un quantum, c'est pas un temps de chargement, tu vois, c'est pas du chargement déguisé. Ah oui, c'est ouais, vraiment, t'as la distance. Tiens, je vois la planète. On y arrive. Ouais. Tu vois pas un point un peu plus gros que les autres fin, mais... on a chauffé. Ouais, on a chauffé. Allez, on est perdu au milieu de l'espace, les gars. Quantum drive is now off. J'ai peur. Bon, attends quelques secondes. Non, mais j'ai peur, là. Il faut que je parte. Il faut que je sorte prendre dans l'air. Moi aussi. M'en vais. On attend encore un peu. Parce que toi, tu vois un point plus gros que les autres là. Ah oui, si, ouais, peut-être celui-là là. Ah, ça y est, c'est revenu, tonton. Attends. Quoi, attends? Et je suis sorti prendre l'air. Il est quoi celui-là? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je prends l'air. Oh merde, t'as, j'ai fait un saut. Attends, je vais rentrer. Attends, on est où? Ah, mais on est pas loin en plus! Je me suis pété la gueule dans le vaisseau, voilà, je remonte. C'est bon, tu peux repartir. Attends, parce que j'ai plus là, cette route là. Ah, c'est bon. Il est où le point? Il est où le trou? Attends, mais je suis désorienté là, il est où? Ah, ça c'est le truc, je mets tout le temps 3 heures après pour repartir. Ah putain, attends. Bah pourtant j'ai mis cette route. Alors, clear. 7. Bah il est où ce putain de point? Sinon, hésite pas à mettre la lune de Hearthstone et après on refait un saut. Enfin, t'as plusieurs lunes autour de Hearthstone. Alors attends. Des fois ça marche. Il y a comme arrêt à côté, tu veux dire? Vas-y, allez, fais péter. On va aller à celui-là. Attends, hop. Ah bah de toute façon, il fait faire un saut sur Hearthstone quand même. Bah ouais, mais il me l'indique pas. Et bah pas nickel. Non, mais il me l'indique pas non plus. Fais voir, sinon je vais prendre les commandes pour voir si ça, avec moi ça marche. Vas-y. Vas-y. Hop là. Alors, exit. Non, non, attends. Ah non. Ah tiens. Ça me servait un canon. Hop. Interpierre site.
Your flares are online. Alors. Ah bah moi c'est off. Tu le vois toi? Ouais, c'est bon. Oh, on est pas loin, hein. Je vais te laisser reprendre les commandes dès que je lance. Ah, tu veux que... Bah, comme tu veux, hein. Tu veux que j'aille me remettre sur le vaisseau? Bah, au commande. Ouais, tu peux. Par contre, j'ai tous les écrans d'éteint, moi. Moi aussi. Alors. Il faut pas que je les coupe et que je les remette, power off, power on. Quantum drive is now. J'ai essayé, ça va pas marcher. Weapons offline. Ah bah, on est beau, tiens. Aboard your Drake Interplanetary Craft. Your systems are online. Je suis en train de rechercher une mission. Et ça, putain, c'est chiant, t'as plus aucune info. Essaye de prendre la première mission là. Mais j'ai rien. Mercenari. Mercenari, F1. Ah, général. F... Tu prends les quêtes. F1. Les quêtes. Alors, ma contract manager. Tu m'as dit voilà. Quoi Mercenaries. Mercenaries. Okay. Et Stolen Property. Ouais. Vas-y, ouais. Prends-le. Voilà. Untrack, c'est ça que je mets? Non, tu mets pas Untrack, surtout pas. Ok, bah voilà, c'est bon. Là, tu reviens et est-ce qu'il te met. Ouais, il me met un point vert. Sur la planète? Comme arrêt, non, à comme arrêt. D'accord, vas-y pour voir. Ah, attends, Stolen pour. Ah, si, j'ai un point aussi. Neutralize, c'est ça? C'est ça. Ouais, vers la planète. Je vais aller à la tourelle. Mais attends, mais par contre, je vois rien. Moi non plus, c'est la merde. C'est à 53 000 km. 53 000, ouais. Allez, c'est parti. Ouais, mais j'ai vu comment. Putain, fais chier. Tu peux pas sauter dessus ou à côté? Non. Non, parce que j'ai même pas le bouton pour le Quantum Drive. Tu sais, je vois rien, j'ai aucune info. Attends, je vais essayer de quitter et de reprendre le fauteuil. Ça, c'est parce que t'es sorti tout à l'heure, ça. Bah, je suis... Non, ça a rien à voir. Ah d'accord, bah on est... Mais t'en as pas besoin normalement des écrans. Bon, allez. Attends, c'est quoi ce pool Quantum Drive? Ça veut dire que ton Quantum Drive il charge. Ah. Quoi? J'entends ton moteur qui... Bah ouais, mais je peux rien faire. Alors je vais essayer d'aller sur... Regarde sur F2 si t'as pas un point à côté de... Alors, F2. De ton neutralize. You neutralize. Ah, Attends, hop, je vais mettre clear route. Là. Voilà. Ah, j'ai mis un point à côté. Il est là. C'est OM5. Ok, go. Attends, il charge, mais je vois, j'entends. Je fais au son. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. Pourquoi ça m'a dit que le Quantum Drive est off. Bah relance. Relance. Le Quantum Drive? Ouais. Dark Vidia qui a écrit: chérie, je vais faire une quête dans Star Citizen, je reviens dans 8 heures.
Ah mais maintenant j'ai même plus le truc qui s'affiche, putain, mais c'est quoi ça? C'est bien fait, foutu, tiens. Sinon, pire, on pose sur leur ville, on despawn et on respawn le vaisseau. Attends, je fais voir. Arvidia, c'est une alpha, c'est même pas une bêta. Ça arrive. Mais après, quand t'es pris dans le truc, c'est tellement immersif. Pardon. Ah, ça y est. Après, c'est vraiment mon univers, Star Citizen. Je pardonne. Voilà. Et là, on va vers le Neutralize. Il est à combien de kilomètres? Il est à 52 000. À 52 000, je pensais qu'il était à côté. Non, je remets un quantum. Vas-y, re-quantum. Attends, il charge. Il a pas fini de charger. Puis c'est vrai qu'on sort d'une grosse mise à jour, donc faut le temps que. Après, ils fassent des gros kiffs, les mecs. C'était pas aussi buggé avant la mise à jour, mais vu que c'était du gros contenu. Putain, attends, je crois que ça bug. Attends, c'est bon. J'entends charger. Quantum Drive is now on. Dessus. Voilà. Ouais, on dirait le soleil. Ah, c'est vrai qu'il devient jaune. Hein. Ouais. On va vers le Neutralize. T'arrives plus qu'à écrire une alpha de 5 ans. Bah ouais, mais de toute façon, un jeu, tu le développes en... Enfin, quand ils te disent ouais on annonce un tel jeu, ça fait au moins 4-5 ans déjà qu'il est en développement. Prends un GTA 5, je peux balancer un autre quantum là ou pas? Ouais tu peux normalement. Je vais essayer. Ils ont annoncé un GTA 6, ils sont déjà en train de travailler sur le 7 quoi. C'est des lignes de code de ouf les mecs qui font. Il veut pas. Ah c'est. On l'entend qui charge. Après c'est prometteur hein, comme jeu. Ah bah ouais. En plus c'est vrai comme pour l'instant les quand tu fais ça... des missions FPS les PNJ ils sont un peu tout cons mais quand ils auront développé le truc et quand ils vont se mettre dessus il faut qu'en fait les développeurs prennent en compte le fait que tes PNJ doivent savoir où ils sont sur la planète, doivent te repérer toi, savoir que la planète elle tourne sur elle-même, donc ils maintiennent leur position, et en plus que la planète elle-même tourne sur un autre système. Donc c'est vraiment de la gestion, c'est des trucs de tarés quoi. Ça, tout ça, ça demande du temps. Your flares are online. T'as combien de kilomètres là de la cible? 508. Oh, on est pas loin. Ouais, mais il veut pas, ça merde. Et t'as pas un point à côté? Et après, s'il faut faire 100. Bah, là, il est pile en face, ça serait con d'aller sur un point à côté. Il est pile en face là. Bon, je le vois même de là. Sinon, mets les gaz à fond hein, et puis on y va comme ça. Hein. Attends, je vais aller sur. 500 bandes, ça se fait. Hein. Attends. Quantum Drive is now. Ah bah si t'es sur un OM, ouais des fois ça sert à ça, tu peux pas tout le temps te quantum sur ton objectif, tu trouves un point à côté et après tu vas en réacteur à combustion. Quantum Drive is now off. Voilà. On les voit en ah, face. Ah c'est des trucs là-bas en face? Ouais. Allez c'est parti. Je sais pas sur quoi je tiens, mais je tire. Attends, t'es à combien de kilomètres là? Je vois pas, 223 je crois. Oh c'est bah que... alors non, ça sert à rien, vas-y approche-toi.
C'est avec le jaune de la planète, je vois pas. Par contre, c'est intéressant de savoir ça. Ah oui, d'accord, c'est des astéroïdes. De quoi des astéroïdes? Qu'on a en face de nous. J'ai zoomé pour voir. Tu peux zoomer de là? Tu fais F et molette vers l'avance de ta souris. Ah oui, d'accord. Putain, ouais, je savais pas que tu pouvais faire ça. On est à 170 mètres. 170 km. De toute façon, après, tu vas entendre « Ok ». C'est bien. Ok. On approche. Moi, je suis prêt. Chaud. La baston. La baston. Coalition, destruction. Moins de 100 km. Là, il y aura encore un vaisseau, c'est ça? Bah, en théorie, ouais, si t'y a marqué Neutralize. Putain, pour bouger, ça va être la merde. Moi, je suis pas très bon. Bah, de toute façon, tu peux pas trop avec un Cutlass comparé à un chasseur. Donc après, surtout avec la tourelle. On a combien, là? 56 bornes, je crois. Vas-y. Je crois que c'est vers 15 km que t'entends un bruit qui te dit ah, on approche de la cible. Vas-tu bornes. Bon, petit bord. Contact. Et à côté. Ah oui, je le vois. T'as eu mon point là ou pas toi? Ah ouais. Fais gaffe par contre, quand tu sens que ça va pas le faire, et évite de tirer parce que sinon tes armes surchauffent et après... Et c'est les nouveaux vaisseaux en plus qu'ils ont mis. Ah, vas-y, rapproche-toi de lui. Il a 7 bornes, 8 bornes. Bon, là, on me rapproche. T'es à 8 km. Par contre, dès que tu sens qu'il a. Ouais. Il se rapproche, ralenti. Voilà. Limite, arrête-toi maintenant. Dis-moi s'il faut que je bouge. Ça y est, il est là. Je l'ai touché. C'est toi la tourelle, tu peux faire du 360 degrés? Oh ouais, moi je peux. Alors, repars vers l'avant parce que là on recule. Ah ouais.
Et oui, maintenant avec le nouvel modèle de vol, ils prennent en compte le fait que quand tu donnes de l'inertie, après, bah ouais, tu... dans l'espace, tu continues, t'as pas d'air qui t'affreine. Donne pas trop de vitesse, tu vois, juste un peu. Oh là, je l'ai pris, il a pris cher. Tu l'as eu, non? Je crois que je l'ai tué là. Ouais, c'est bon. Ouais, je l'ai eu. Allez. Je l'avais pris. Il y a écrit recover, cette merde. Fais le petit chapeau et puis c'est bon. Ah, il y en a un autre là-bas, un orange. Mais attends, mais j'ai un truc là, ouais. C'est quoi recover stolen prop? Ah, attends. Eh ben, ça veut dire que il faut que tu ailles chercher. Il a du. Ouais, c'est ça, il y a une boîte. Ouais, si tu prends via Sea of Seas et récupère le loot et mets-le dans le. Tiens, il est là. Faut le rentrer à la main? Ouais. Ah oui, faut que t'ailles chercher. Attends, je crois que je suis à côté. Voilà, 40-50 mètres là. Il est devant le vaisseau. Il y a un autre vaisseau pas trop loin, donc je vais rester à la tourelle pour me protéger en cas. Je sors le prendre du coup. Ah bah ouais. Et après tu le mets dans la, tu le mets dans le cargo et puis tu retournes aux commandes et faudra sûrement aller le livrer quelque part. Vas-y, je vais sortir dans l'espace. Bon, il n'y a plus de mythique, le vaisseau va pas nous faire tuer. Comme c'est impressionnant. Reviens. Hein? Ah, il est parti. Il loue le vaisseau. C'est bien qu'il n'y ait pas de bruit comme ça dans l'espace. C'est propre. On laisse là comme ça la boîte. Attends, 2 minutes. Qu'est-ce que j'ai? Qui marche pas quoi. C'est bon, petit tonton, t'as récupéré le colis? Ouais, je répondais, il y avait Nicolas qui m'écrivait. Ah! Ouais, non, s'il me parle pour Sea of Thieves, il me disait que le chapitre 9, il m'a dit, tu verras, c'est un enfer. Ah! Ouais, du coup, il faut délivrer le paquet là-bas. Pas un feu. Non, j'ai mis le quantum là, je le charge. Je vais quitter la tourelle. Quantum drive is now on. Pourquoi il s'est arrêté tout de suite? Pourquoi il s'est arrêté? Quantum drive. J'ai peut-être appuyé sur un bouton. Même temps que le quantum, mais s'il a pas aimé, je sais pas. Ah, il me dit Isnaï le quantum off. Attends, je le relance. Ouais, non, ça marche pas. Parce que je fais des actions en même temps. Voilà. Qu'est-ce que tu me faisais encore? J'ai quitté la tourelle pour revenir au copilote site. Attends, je vais essayer de rebalancer le.
Pourquoi elle marche pas? Attends, mais c'est quoi là en bas qui me met? Parce que j'ai deux, ça me met deux objets, je crois. Ouais, non, c'est un bug. Je peux pas voir ta quête du coup, c'est vrai que c'est. Ouais, non, c'est que ça me. C'est un bug. Je peux pas t'aider là-dessus. Ouais, puis il charge une fois sur deux le Quantum, là, je le comprends pas. T'entends qu'il charge, mais il s'arrête jamais en fait, il fait le bruit indéfiniment. Est-ce que t'as combien de bornes de l'objectif hein? 104 000. Ça fait un peu. Ouais, c'est ça qui est chiant, que ça bug comme ça. Et sinon, mais tu l'as fait, tu l'as essayé avec F2? Bah, F2, ouais. Et oui. Ouais, mais je le vois pas avec F2. C'est là? Ah si. Cette route. Attention, engines overheating. On peut pas le faire pendant qu'on bouge le drive, le Quantum. Bah si. On peut le faire n'importe comment, mais Quantum. Attends. J'ai appuyé pour qu'il fasse ça. Quantum Drive is now on. Qu'il arrête de s'arrêter comme ça, quoi. Ouais, puis pour 104 000, ça va aller vite. Hein. Ah, on est sur une lune. J'allais là-bas derrière. À 500 bornes. Et avec B, tu peux pas quantum dessus? Attends, je vais essayer. Quantum Drive is now on. Eh hey. Si on pouvait faire 500 bornes comme ça dans la vraie vie, ce serait génial. Je vais jamais être chez moi. Putain, ouais. Normalement, tu devrais arriver à 50 bornes. Là, je vois plus trop avec la lueur de l'horizon. Au pire, tu fais B, normalement, il devrait te. Comme si tu voulais sans lancer un quantum, mais sans lancer, au moins il devrait te mettre l'endroit où tu dois aller. Ouais, ouais, je vois l'endroit, mais oui, je veux dire... De toute façon, dans tous les cas, t'as le point. Par contre, fais gaffe parce que c'est qu'une lune, donc elle est petite et on va se rapprocher vite du sol et pas se faire avoir, comme moi tout à l'heure, plonger sur la montagne. Et... Rip ton vaisseau et rip. Je suis à 25 bornes. Ok. Et donc là, tu dois faire une livraison. Ouais, il y a delivery drop off. À 8 bornes. Ah, ça doit être le truc en face là. Ouais, une petite station. Ouais, va falloir que tu te poses. Bah oui, t'inquiète. Et je vais sortir mon arme. Faut que je fasse un appel ou pas là? Pas besoin? Non, normalement là. C'est sûr, faut pas que je demande. Hein. Je peux me mettre au milieu de la piste là ou pas? Tonton, normalement, je peux normalement. Le mec qui va comme un bourrin, hein, tu sais. C'est cool. Ah, attends, si ça me met un carré en face, vert. Quoi, je suis passé dedans? Ah non, ok, attends.
bouge pas, t'entends. Je me garde vite fait doucement. Bah, moi je peux bouger. Ah, il se garde pas automatiquement là. Landing complete. Voilà. On a landing complete. Donc il faut que j'aille livrer mon truc. Ouais. Tu m'ouvres la porte. Voilà. Aïe. Pourquoi tu sautes, c'est énorme. Pourquoi? Bah t'as pas d'atmosphère. Ah ouais. Alors. Ah ouais, c'est excellent, c'est vrai. C'est comme sur la Lune, quoi. Et ça, autour des planètes, t'as plein de petites stations comme ça. Plein. Marque à personne, tu peux faire un tour, tu peux pas les visiter. C'est excellent. T'es avec moi? Pas très loin. Moi je vais livrer ma caisse. Hein. Faut que je la pose en haut là? Faut que je la pose là? Bah ouais. Pick up? Drop off? C'est quoi? Drop off. C'est énorme. Ah ouais, tu fais vraiment. C'est énorme. Ouais, c'est bon. Objectif machin. Contrat complété. Et j'ai reçu 5000 crédits. Nickel. Nickel ça. On a fait une petite mission pépère. On a un peu chié quoi, hein. Écoute, moi je dis je peux retourner au vaisseau, puis on peut couper le stream ici, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Comme ça on aura une petite mission, ça fait pas trop long. Ah d'accord, avec la pesanteur il peut. Non d'accord, il veut pas, non, il veut vraiment monter par là. Ouais, comme ça, regarde, avec une belle photo comme ça là. C'est pas propre, sérieux. C'est beau. C'est de toute beauté, moi je dis. Tu veux continuer toi, tonton? Bah on peut. Bah ouais. Darvidia est toujours chaud pour regarder. Cela, moi je vais couper pour YouTube, pour la VOD. Comme ça, les gens ils peuvent me retrouver au pseudo de Ragbrock sur YouTube. T'es dans le vaisseau? Non, je suis autour là, je tourne autour. Ah, ah oui, je te vois. Je vais couper pour la VOD. Voilà, on peut me retrouver au pseudo Ragbrock. On laisse un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je dis attends, on va se mettre là pour dire au revoir quand même. Ah ouais, attends, je vais essayer de faire un truc. On peut dézoomer quand tu mets ton personnage ou pas? Je sais pas. F4. Ah non, on peut pas se dézoomer. Ouais, comme ça, ouais, génial. Là il y a de la photo là. Ça le fait grave. En plus, ah ouais, toi t'as qu'à arriver derrière là comme ça en moonwalk. C'est impeccable. Bah merci à tous d'être passés. Et puis, comme j'ai dit, on se retrouve sur YouTube Ragbrock. On peut suivre aussi sur Twitch. Et puis, nous, on se retrouve pour de prochaines aventures. À bientôt.